Pour YouTube, je vais vous remettre le bon plan, puis je vais vous lire dans le chat. C'était ça. Ouais. Oui. Un moment de flottement pour moi. Ah merde, j'ai pas eu le temps de zapper sur le chat. Oui, cette musique qui rend fou est de retour. Tiens, d'ailleurs, je vous remets le nouveau son une petite fois pour rigoler. Messieurs! Pervers! Aucun! Je sens qu'on va en faire pas mal usage de ce son là. J'en étais où? J'étais pelle d'eau. Ah oui, c'est comme ça que je jouais. À chaque fois, je me fais avoir. Oui, c'est. Ah oui, je sais plus, t'étais peut-être pas arrivé. Ça va être un clip nouveau pour toi, Christella. C'était dès le début de Borderlands hier matin, un gros délire. Et évidemment, j'ai sorti une énorme salacité, bien dégueu. Pas encore que bien dégueu, non, je préfère. Et Nash a répondu en me gratifiant de tous ses qualificatifs. Et j'ai trouvé la séquence tellement parfaite. Je me dis, il faut absolument que j'en fasse une commande sonore. Donc le temps de bidouiller un peu sous Audacity, l'effet Helium, machin. Et le clip, il est parfait. Enfin, le clip. Le son, il est parfait. Il est correct. Oui, je pense que le H, c'est waouh. Merde. Ah oui, j'ai un animal qui va charger dans le derrière-plan. Oh là, il y a trop de monde là. Oh! Attends, je joue plutôt bien. Je sais plus comment on fait une sauvegarde rapide. J'ai tellement peur de merder que je vais. Attendez. Ouais, je vais sauvegarder dans Prout, c'est pas grave. C'est quoi la sauvegarde rapide? Ah, ça c'est le chargement rapide. Et la sauvegarde rapide, c'est. Pas ça. C'est autre chose. C'est ça. Ok. C'est en fonction des jeux, c'est pas la même touche de fonction, donc mon cerveau bug. Oh les salopards. Les salopards. Putain, le jeu qui rend fou. Très bien. La carte m'a l'air très bien pensée. C'est vrai, les fameuses questions sur la Bible. Alors, quelle personne a vécu avant Noah? Abraham, Adam ou Salomon? Bah, Ève et Adam et Ève? Enfin, non, c'était. Non, Adam, c'est un de ses fils, non? J'ai envie de dire Abraham. Et j'ai faux. Ah! Quelle personne a vécu après Noah? Cain, Methuselah ou Joshua? Joshua! Oh, j'ai gagné! Ah! Je viens de là! C'est la. On va dire le cube de départ.
Oh, dodo, toi. Ça va, il avait la suite de luxe, lui. Il avait un grand espace. Question. Noah, quoi, chaque chose que Dieu lui a dit de faire. Ah oui, Noah. Enfin, oui, Noah. No, Noah. Je me laisse influencer par l'anglais. Noé, Noé. Yannick Noah, sur les... a fait toutes les choses que Dieu lui a demandé de faire. J'ai envie de dire vrai. Ah là là. Bon. Après Noah, qu'est-ce que Dieu a fait? Covenant, c'est quoi Covenant? Suivant Covenant. David. Non, ah, Moïse peut-être. Ah non, pas Moïse. Les dix commandements. Oh mon Dieu. Meilleur Doom, je reviens au début. D'ailleurs, je serais peut-être bien de se faire la fameuse sauvegarde rapide. La sauvegarde rapide des familles. Non, je suis revenu dans un cul-de-sac. Ah, le navire qui rend fou. Je sens que je vais devoir faire usage de la carte. La carte, c'était comment? C'était quelle touche? Ah, c'était celle-là. D'ailleurs, on voit qu'il pourrait y avoir des parties amovibles. Là, ça fait un carré, un rectangle. Attendez. En général, le jeu, il est cucul à praline gentillet. Il met pas de passage secret non indiqué, c'est-à-dire c'est toujours suggéré par un élément de décor, un tableau ou je sais pas quoi. Donc, merde, allez, c'est là où il y a... Ouais, non, mais il y a un truc là. Attendez, si je me réfère à la carte en... J'aurais accès à la clé en or qui part par là. Ah, bah j'ai pas fait. Merci la carte de m'avoir... Là, je vais accéder à la clé en or, là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouch. Et il y avait une porte en or pas loin, je crois. Blé, 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 blé. Mire, 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 je trouve le moyen de me perdre. Allez, dodo, bonne de chou, gnouf. La surprise, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une torche, c'est ouais, 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 c'est une bougie. Oh, 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 là, le mout mout, ça va tranquille. Comme on dit par chez moi, il est parvenu à la clincher. La clincher la poule. J'ai l'impression de vous faire la voix de Normand Lamour. Il tenait la poignée de porc, il la lâche au pot. Ah, elle est où la clé d'argent? Je suis désespoir. Il y avait une autre porte en or, je m'en souviens. Il y avait une autre serrure en or. C'était un secteur opposé. Oh merde. Je suis pas là où il faut. Je suis pas là où il faut être. Non, c'est justement la porte que je viens de faire. Ah, il y avait une porte isolée là. Oui, c'était qui est plutôt dans les teintes de couleur de bois là. Non, alors ça peut pas être là parce que c'est là que j'ai eu la clé en or. Sorry, 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 sorry. Non, ça c'est l'appartement de luxe de du cabri isolé là. Ça c'est la Dijonais. Espoir, on va y arriver.
Oh merde, j'ai pas ouvert cette porte. Mais que c'est... Aïe, je me fais déboîter. Oh merde, il y a deux buffles. Je me suis engagé trop vite. Bien malgré moi. Oui, charger la partie du prout. Oh non! Oh non, 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 non! J'avais pas la clé en or! Bizarre. Allez, au dodo. J'ai failli dire l'otarie. Au dodo, l'autruche. Hein, Aerostar qui se relance dans Blue Fire. Pour ceux qui apprécient Aerostar. Oh, j'ai fait la pub de personne, moi, ce week-end. Je suis en train de me dire, j'ai pas fait de pub, j'ai pas fait de shootout. C'est bizarre, ça me ressemble pas. Hein, il faudra que j'essaie de mettre en lumière certains d'entre vous. Boing, boing. Ah oui, je crois qu'il y a les... Attendez, sauvegarde rapide. Hop là. Ah non, il n'y a rien. Ah si. Ouais, là, il y a le quid de la... Attends, par acquis de conscience. Non. Alors, je dois reconnaître que le jeu est en train de me guaquer. Le jeu est en train de me guaquer. De me retourna le cheval. De me retourna le cheval, je sais pas beau. Oui, là, j'y étais pas allé. Oui, c'est là où je m'étais fait patater précédemment, c'est vrai. Ah, il y a des fichus bouffes. Il a planché la porte à coup de corne. Il me faut des sacs à dos remplis comme ça plus souvent. Ouch, j'ai fait double sauvegarde, vous avez vu. Je suis resté trop longtemps appuyé sur la touche. Ça fait shaving, shaving. Que dit la carte du niveau? Eh ben, j'ai pas l'air nigo. J'ai que voir une porte par là. Ah oui, c'est ça. Oh. Mais que signifie. Viens par ici faire assommer. Moi, les autruches, je vais les déplumer. Je suis tout là dans la merde. Que la porte se referme parce que là je me rends des coups à distance. Oh, c'est bon ça. Oui, je comprends qu'il soit tout sourire. Tu m'étonnes. Oh, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Oh. Oh. Ça me procure du plaisir, ce genre de long corridor secret. Ah. Ah ouais, C'était la mort au bout de ce tunnel. Ouh. Ah oui, non, j'avais déjà poussé le bloc, oui. Mitraillage en règle, dodo les buffles. Il y en a toute bête. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ce niveau qui me stresse. Wow. Ah oui, non mais oui. Il me fallait ça. Mais pourquoi j'ai toujours pas accès à la clé d'argent? Ah, et oh!
Putain, à distance, ils arrivent à me faire mal, les salopards. Il m'a fait canarder. Putain, j'ai vraiment des problèmes avec mes capes qui pendouillent devant moi, là. Je crois qu'un de ces jours, je vais avoir un accident, je dis pas l'horreur. Ah. Oui, mais il n'y a pas... Alors, j'ai envie de dire, dans une logique vidéoludique, à moins de donner accès à un niveau secret... D'ailleurs, je sais plus s'il y en a dans le jeu. C'est moi où j'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai entendu comme du bois grincer. Généralement, les clés d'accès sont évidemment en clair, c'est-à-dire pas planquées dans un passage secret, un mur coulissant. Parce que sinon, c'est de l'anti-jeu. Oui, mais je recharge ma partie là, parce que... À moins de les mitrailler joyeusement comme ça. Calmos, l'antilope. Ah, mais j'ai pas vu que j'étais devant la clé. Putain, mais j'ai... Bleh. Voilà, je répondrai comme un mouton. Ah. Et ils ont eu le... Attends. Ah merde, mais je suis pas allé chercher le globe pas oculaire, mais... Bah, je peux me dire que j'ai un joker régénération. Il est parvenu, hein, dragon. Ça fait peur. Dragon doit vraiment être dans la panade avec son disque dur. Attends, je te lis. Bonjour à toi, un peu tardif, je clavardais. Et Fladdy sur Discord. Ouais, non, mais tu fais bien. Comme un dimanche, t'as bien raison. Ouais, ça va, merci. J'espère que toi aussi, du coup. C'est bien, tu vas qu'à tes occupations. Ah oui, bien vu, la clé. En fait, c'est jouer sur la palette de couleurs de gris sur gris pour qu'on confonde le... Très très bien joué. C'est bon, tout le monde s'est pointé? Non. Cochonnerie de... Je me fais mollarder par des antilopes. C'est une honte. C'est une honte. Bah alors, ça sauvegardait ou pas? J'avais pas l'impression. Ah, someone qui joue à... Non, c'est bien. The Vital Company. Il y a pas un truc qui a coulissé par hasard? Mais non, que je suis bête. Si j'ai la clé d'argent, c'est forcément pour arriver dans le secteur là. Vraiment, les portées de macaque, rien. D'accord. On va retrouver la porte... Non. Elle était où la porte en argent? Non, mais j'avais fait là, ça avait donné. Ça c'est. La porte en argent. Je sais plus. Oui, c'était ça. Bien, bonne mémoire. Ah! Voilà ce cri! Question sur la Genèse. Quel roi de. Dieu a fait avec moi? Conditionnel, inconditionnel, temporaire. Temporaire! Les gens n'ont pas mangé de végétaux avant le déluge. Non, faux. Ils mangeaient des végétariens avant. Elle dit que le temps des graines, quoi, et de l'agriculture, du froid et de. Et ouais, 6. Ah, qu'est-ce qui va pas saisir? Vivre et mourir, jour et la nuit, la terre et les mers. Vivre et mourir. Ah non, c'est bizarre.
Voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est bien. Ah, gagner des bobos. Ah non. D'accord, c'était une pièce double. Ils sont même dans l'escalier de... Waouh! Comme dit Noah. Waouh! Ouais, ça va, Nayone, c'est cool. Qu'est-ce que je fais dans une armoire avec des fruits, moi? C'est quoi ce délire? C'est quoi le délire? Oh oh, ça sent l'arène de boss. Oh merde, déjà là il y a un buffle. Coucou. Au chat et la souris, je suis vainqueur. Ah, il m'a déboîté. Brigand. Ah, mais oh, un buffle peut en cacher un autre. C'est horrible. Comme tu dis, waouh. Oh non. Oh non. Me foutez pas un kangourou. Le kangourou de la muerte, au secours. Attendez, je vais tenter ma chance dans une autre pièce. Hein. Ou pas. Ouais. Ah, lancement. Ah. On va pas cracher dans la soupe. Ta 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 ta. Violence animalière. Mais d'où il sort? Ah, petit con. Les petits cons. Qui c'est qui m'a importuné? On va dire ça comme ça. Mais couché toi. Mais y en a combien? Oh oh, gazelle. Oh, ce son. Oh, ce son de... Oh oh, les salopards. Alors là, par exemple, c'est un illogisme. Parce qu'on imagine difficilement la gazelle que se soit enfermée d'elle-même dans le passage secret. Il devait y avoir de la persécution dans l'arche parce qu'elle, elle était condamnée à mourir. Hein. Pas d'eau, pas de bouffe. Bon, la lumière. Dieu. On le met au niveau du réalisme ou comment on fait pour l'éclairage. Mais... Ce jeu est extraordinaire. Oh, je vais me faire en papaouté. Ouh, je sens que je vais me faire en papaouté. Oh, papa, où t'es, où t'es, où t'es? Oh, papa, où t'es? Cette clé en argent va m'être précieuse. Je la veux. Je la revendique. Ah, dragon, je commence à m'inquiéter sérieusement là pendant tes histoires de disque dur. J'ai l'impression que ta réparation a été fastidieuse. Il
C'est fou, entre temps j'ai eu le temps de déjeuner, donc t'as dû passer une heure à faire du scan disque. Ah, je la sens pas. Je l'ai mal géré. Merde, le kangourou s'est réveillé. Oh, 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 la violence de la noix de coco. Il est où le vilain? Ah, le chef-man qui va nous faire du montage vidéo. Attends, je rêve ou j'ai assommé le kangourou? Il est où ce con? Ah non, il est là. Il a failli m'avoir par subterfuge. Attends, sauvegarde rapide. Le duel est intense. Hop là! Esquive, noix de coco dans la gueule. À bonne distance, ça marche. Ah! Salopard, il m'en envoie trop dans la tronche. Ah! Oh, ce duel. Mais j'arrive pas à l'endormir! Ça va? Il est increvable ce... Attendez, je vais sauvegarder parce que j'en ai marre de tirer en rafale comme un fou furieux. Passage secret s'il vous plaît, merci. Et un petit remontant est apprécié. Ah, il est casse bonbon le... Oh, kangourou de mes deux là. Aou. Ah, il commence à s'endormir. Un partout. Je tenais le bon bout. Ah, ça y est, dodo. Merci pour les clés. Il était temps hein, qu'il fasse sa sieste, le kangourou de mes... Pardon? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, merde! Heureusement qu'il a fait du bruit avec ses sabots sur le parquet. L'antilope. L'antilope. Ouch, c'est violent. Qui veut une pastèque dans sa gueule? Les pastèques sont expédiées dans votre tronche plus vite que prévu. On peut le dire et que ça saute. Oh. Oh. Une crise de notes. Noé avait un tableau. Wow. Et au quatrième jour, il y a eu le fruit. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, c'est pour se faire une santé contre le kangourou de mes deux. Mais comme je l'ai maté, bah... Ce sont des points moluches. Je suis pas sûr d'avoir... J'ai fait tout le niveau, les gars, là. Je suis pas certain de mon coup. Non, j'ai pas tout fait. Bon, je suis au taquet au niveau des munitions, ça fait plaisir. Pouah, ça me fera des points bonus. Non, ça c'est mon point de départ. Enfin, je crois. Non, les étagères de fruits sont inamovibles. Je crois qu'on me donne une info. Mais chez Dragon de Lorraine, qui me parle? Alors, t'as deux logiciels de Windows qui faisaient la guerre, donc un problème de fichier et non du SSD. Bon bah, vaut mieux que ce soit ça qu'autre chose. Vaut mieux que ce soit ça qu'autre chose.
Tiens, j'ai pas fait celui-là. Ah, attendez. Mais l'antilope a fait une butte. C'est honteux. Attends, il y en a une autre, forcément. Ah. Oh non! Non! Faut que je recommence. Vilaine bête. Du coup, je sais plus. Oh. J'ai déjà plus ce qui est amovible et inamovible dans le boxon. Party for a tour. Oh! Un fruit de deux animaux. J'ai fait coup double sans. Ma bonne surprise. Oui, donc là c'était inamovible et je sais plus, c'est l'autre porte où il y a un secret que j'avais pas. Non, y'a rien. Mais il y a un mur que j'ai. Voilà, il y a le mur là-bas que j'ai oublié de faire coulisser. Alors attendez, je vais l'ouvrir et puis. Faut que je mémorise ce que j'ai pris. Oui. Non, j'ai déjà. Je finis presque en regretter d'avoir pris toute espère du coup parce que je m'attendais pas à être menacé. Alors sauvegarde, que je n'ai pas à le refaire. Voilà. Bonne nouvelle, ouais. Que ton disque dur à tous les chroniques soit sain. C'est ce que j'appelle un nettoyage de niveau réussi. Oui! Ah, un succès! Pocket Protector. Finir le niveau 4 sur une difficulté. C'est un succès! Ah oui! Waouh, waouh, waouh! Alors, wow, Kiri, pas de challenge pour toi. Pas de challenge pour toi. Peux-tu garder en paix et de face Ernie l'éléphant? Oh, je vais me coltiner un éléphant, mon dieu. Alors, ne t'en fais pas. T'es qu'est-ce qu'il y a dans Dryland? On n'a pas fini de courser les animaux sur l'arche. Oh, nouvelle musique. Très mauvais départ. Merde. Mon méchant, je vais la refaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Voilà. La musique a l'air. Pour info, moi aussi, Dina Yonesh, j'ai fait un scan de mes disques PC cette nuit, entretien habituel. Ouais, c'est bien. Très très bien, bon réflexe. Ah! Fout les jetons que t'as les ennemis dans les angles là qui t'attendent. Allez, dodo. Mais. Oh, ça fait peur. Ah, double porte. Oh non, mais je suis mort là. Pourquoi la porte elle a bougé? Oh oui! Kezako. Oh! Oh! C'est de plus en plus. Délirant la conception des niveaux. Non mais tant que je suis pas au corps à corps, je n'aurais pas le même bouquet. Voilà.
Donc j'ai fait de la mouise. En fait, j'avais pas la bonne arme. Je sens que je vais vite commencer. Mais j'en conviens à semer le boxon dans l'arche. Merde, il y en avait une deuxième. Au secours. Oui, je me disais bien que ça ouvrait les portes là. Dans mon dos. Je stresse. Oh la vilaine. Elle s'est mangée deux noix de coco, ça lui a pas suffi. Ah! Peau de vache. Mais c'était une autre mouche. Un peau de vache. Oh! Qui c'est qu'a bougé? Oh! Ah oui, j'ai pas la bonne arme! Je change d'arme, je sais plus c'est comment. Celle-là va être appropriée. Il faut que je puisse tirer à travers les objets, ce qui n'était pas le cas de ma... Hein ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bonjour Chris Golgoth. Coucou. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Merci, je passe vite fait à faire coucou entre deux changements de couche. Épisode des Télétubbies, hein, c'est mignon, t'es avec ta puce. Merci pour dimanche à toi. C'est cool, j'espère que ça va bien pour toi aussi. Merci du coucou. Ah, ça fait plaisir. Oh mon dieu, les Teletubbies. Oh, le visage du gamin dans le soleil. C'est bon. J'ai cette image qui est ancrée dans ma mémoire et je peux pas m'en défaire. Je vois la bouille du gamin dans le soleil qui me rend fou. Ah. SSD depuis plus de 10 ans, canalier de PC en PC qui est usé de 71%. Le problème est que les SSD, une fois qu'ils atteignent 50% d'usure, si t'as pas fait de sauvegarde avant, t'as plus perdu. Eh ouais. Tu m'étonnes. Dans leur tronche. Oh, pas mal. Ah non, mal. Je me suis vanté, j'aurais pas dû. Oh,
Merde. Oh non. Pourquoi pas. Ouais, puis sauvegarde rapide. Non, ça va. C'était un accident heureux. Ah, je commence à parler ukrainien là. Allez, je les provoque et puis je les aligne dans le couloir. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Allez, au suivant. Viens ici, peau de vache. Un antilope. Merde, j'ai plus de monde. Oh. Une pastèque dans chaque goût. Une pastèque. Le lancer de pastèque est formidable. Le jeu devient méchant. Il suggère des passages secrets qui n'existent pas. S'approche de moi aussi vite. Sachez-le. Oh merde. Noé avait une Gatling. La trois antilopes qui vont dormir les nalopes. Ça parle mal. Allez, la vilaine, viens la troisième. Voilà, pastèque dans ta tronche. Pastèque. Oh, stratégiquement, je vais peut-être me la garder pour un autre animal. Après tout. Ça sera peut-être plus malin. Que je cochère mes munitions. Non, il y a trop de bouffe. Un buffle pour en cacher un autre. C'est scandaleux. Alors, que dis-tu, Nayonet? Oula, t'as pas le temps de me rédiger. Hein. J'ai soif. Attends, je te lis en buvant. Alors, tu es proche de la vérité. Attends, comment je pourrais faire simple pour... Au niveau de la physique, en fait, oui, c'est une histoire de courant électrique, mais en fait, la charge électrique permet de modifier l'état des bits. Donc, on va dire l'interrupteur est levé ou appuyé, pour faire très simple. Hein. Et évidemment, un octet, donc l'encodage d'un caractère, un octet, repose sur 8 bits. C'est un encodage 8 bits, donc une combinaison de 8 boutons appuyés ou pas appuyés. Et l'idée, il faut le retirer comme ça pour effectivement comment fonctionne le SSD ou les équivalents de cartes USB, là, clé USB. Donc en fait, l'électricité permet de faire un changement d'état, mais c'est à l'usure en fait, de force d'appuyer sur des touches, on va dire, qui sont très fragiles, d'où le taux d'usure et de lecture-écriture, le cycle qui est limité, comme un compteur kilométrique d'une bagnole, au bout d'un moment, tu l'as tellement utilisé que tu l'as fumé, quoi. Et ben, c'est pareil. C'est plus une usure de changement d'état, de appuyer, désappuyer, si je puis dire. C'est pas un vous m'avez compris. Alors que l'électricité permet de changement d'état. C'est surtout l'usure en fait de la pièce qui est. Mais je te donne raison, c'est ça, Néné, dans le grand monde. Oh! Ah! Qui c'est qui vient?
J'avais pas vu qu'il y avait une question sur la Bible. Sur la Bible. Oh. Oh. Ah! L'antilope qui a failli m'assassiner. C'est une honte. C'est une honte. Au secours. Noé qui est un quart de chavis. C'était où la question sur la Bible? Sur la Bible, mon dieu. Attends, il y a du monde là. Ouais, non, ça va, je suis tranquille. Alors, question Bible. Là. Dieu dit à Noé de faire une fenêtre pour tous les animaux. Ah, est-ce que Dieu a demandé à Noé de faire des fenêtres pour tous les animaux? Putain, ça, c'est de la question. Je vais être méchant, je veux dire, moi. Non, allez. Ouais, vrai. Ah non, non, non. Non, il était pas obligé de faire une fenêtre pour tous les animaux. Il y en a qui pouvaient être mis en cale dans le noir. Vous voyez. Vous savez quoi? Ce jeu vient de me donner une idée. Mais c'est d'un écocentrisme fou. Même nombrilisme fou. Vous savez que j'adore ce genre de jeu en 3D là. Je me demande si un de ces jours je vais pas me lancer dans la programmation d'un jeu 3D comme ça, et je m'amuserai à peut-être éventuellement poser des questions. Ah, tu veux une anecdote? Oui, si tu veux, choisis ton mot-clé ou je sais pas, un souvenir. Vas-y, vas-y. Message de le sage de Nancy. Votre attention, s'il vous plaît. Nayonette, merci de bien vouloir décliner dans le chat le thème ou le mot-clé désiré. Merci, monsieur le président. Je sais pas pourquoi j'ai eu deux voix. Ça fait plus solennel quand c'est Macron qui te demande. Vacances! C'est vrai que des anecdotes de vacances, j'en aurais une tripotée. Attends, laisse-moi cogiter que je te trouve un truc. Merde. Oh, j'en ai pas mal. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais recharger ma partie, moi. Ouais, non, j'ai fait n'importe quoi. Vacances. Excellent, Poudy. Merci, Manu. Je sais plus si je vous l'avais raconté, je crois que si. Quitte à ce que je vous en offre une deuxième en bonus d'anecdotes de vacances. J'étais sur l'île de Léron il y a une dizaine d'années. Et je crevais d'envie. Alors en plus, l'île de Léron, c'était unique pour moi parce que je découvrais la mer. Je n'avais encore jamais vu la mer de mes propres yeux. Donc j'ai découvert à l'âge de 30 ans. Et merde. Attendez, pardon. Le jeu me rend nerveux. Je vous laisse absolument admirer l'aube à la surface de l'océan. Et donc je me lève super tôt. Je me barre de la maison qu'on avait louée pour les vacances. Les arcs-en-ciel existaient avant le naufrage. Oui. Ah non. Ah bon, les arcs-en-ciel sont... Oh mon dieu, c'est divin ça. Tout un symbole. Et je vous fais une anecdote complètement décousue. Mais d'où elle sort, elle? C'est vraiment l'antilope du guet-apens, quoi. Bref, je veux aller voir l'aube sur l'océan et je me dis, je vais me rendre sur le vieux port de l'île d'Oléron. Voir comment ça se passe avec les marins qui reviennent de mer de leur pêche de nuit. Et c'est une ambiance unique, j'ai adoré. J'ai mon heure posée peinard sur le banc du port. C'était hors du temps, c'était magique. Je savais que je m'imprégnais fortement
de quelque chose que je qui m'est tout sauf commun. C'était d'une poésie infinie et c'est bête, la porte s'est ouverte alors que j'avais pas la clé. Je pense à vive voix là dans le jeu. Bref, séquence géniale. Et le banc sur lequel je m'étais assis était accolé à un énorme bac aux fleurs sur la place du port. Et au moment de partir, de lever mes fesses pour me barrer, me promener ailleurs, je constate qu'il y avait un portefeuille qui était tombé dans le bac à fleurs. Donc le coup typique, on imagine le mec qui s'était assis en mettant le portefeuille dans la poche arrière du jean, et en asseyant, ça fait pression, ça a éjecté comme un savon le portefeuille. Par acquis de conscience, je me dis, je vais déposer à la gendarmerie ou à la police du quartier le portefeuille. Il était pas si tôt que ça, hein, l'heure avait tourné, il devait être 8h, 8h30 du mat. Je crois que c'était la gendarmerie que j'avais, ou peu importe que ce soit la police. J'arrive devant le commissariat ou la caserne, et rien, volet fermé, porte fermée, pas de réception. J'ai dit merde, je peux pas donner en main propre, ça me faisait suer. J'avais un portefeuille qui était pas le mien, et je pouvais pas donner à un agent le portefeuille, j'étais emmerdé. Donc du coup, je l'ai déposé contre le muret de leur entrée planquée, en me disant il y a forcément un fonctionnaire qui va le voir en manipulant la grille, la porte d'entrée. Je sais pas ce qu'il est advenu de ce portefeuille. J'espère qu'il a été restitué à son propriétaire. Bref, ça faisait bizarre, ça faisait vraiment mode vacances, quoi. Même les policiers sont pas là, le monde est babacool et tout. Et pour conclure mon anecdote là, plus tard dans la journée, je refaisais dans l'après-midi une promenade avec la famille, et j'avais croisé une patrouille de policiers qui m'a fait bien rire. Vraiment, je pense qu'ils avaient été mutés en récompense sur l'île de l'Héron. Parce que dans leur patrouille, ils étaient tous sourires en train de dire « Oh, ton parfum de glace, tu vas prendre quoi ?» Le paradis sur terre. C'est bien, l'ambiance était vraiment extra. Il y avait un côté naïf enfantin, je trouve ça génial. Enfin voilà, ça c'est une des anecdotes de vacances, mais je crois que je vous l'avais déjà narré. Attendez, j'en ai sûrement une autre à vous raconter, mais peut-être un autre lieu de vacances. Non, je t'en prie, Daniné. Oh, tu vas en avoir une deuxième pour le prix d'une. Attendez que je trouve dans mes mémoires. Parce que c'est vrai que j'ai envie des vertes et des pas mûres. J'ai peur de me planter, je vais sauvegarder parce que comme j'avance bien là. Merde, c'est dommage, j'ai pas de clé. Attends, c'est quoi ça? Ah si, je l'ai fait. Je l'ai fait. Non, bah faut que je tourne le coup. Mais non, j'ai déjà fait ça. Ah, là j'ai pas fait. Ah! On disait bien qu'il y avait du grabuge. Une autre anecdote. J'ai sûrement une anecdote sur mon autre lieu de vacances qui a été le suivant d'ailleurs après l'île de l'Héron. Environ 5 ans après, j'ai ma frangine qui m'avait embarqué et offert des vacances à Sigean. Alors Sigean, la particularité de cette ville, alors je pense que Christella doit connaître, c'est pas si loin d'elle, de chez elle, ça va être à 200 bornes max. Sigean, il y a la célèbre réserve africaine. La réserve naturelle africaine, elle est magnifique. Magnifique, vraiment des animaux magnifiques à voir. Et Merdoum. Sigean, merde, j'ai pas d'anecdote qui me revient en tête. J'ai des souvenirs, des photos, des images de promenade. Mais vraiment en plein les yeux quoi. Et mon cerveau me dit d'appuyer sur la bonne touche. Sigean, qu'est-ce que j'ai vécu là-bas? J'ai sûrement vécu une anecdote, mais laquelle? Je pense pouvoir sauvegarder.
j'essaie de faire le jeu tout en faisant mon effort de mémoire. Si Jean, il y avait un artiste, le souffleur de rêve, mais c'était évidemment un souffleur de verre, sympathique mais sans plus. Le mec était vraiment bourgeois bohème. Ça faisait franchement le retraité qui s'était barré de la ville parisienne. Oh les salopards, comment qu'ils te déboîtent. Démonté par des buffles, c'est moche. J'ai même pas le temps de pousser. Oh là 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 là, oui, génial. C'est une honte. Si Jean, je me souviens de belles promenades. Attention les antilopes. Bon, je prends le risque de... Alors attendez, excusez-moi, je vais faire pause parce que j'entends des bruits bizarres et ça se passe devant chez moi, une fois de plus. Attendez. Qu'il y a des jeunes cons la belle vie, un trio de, on va dire, d'adolescents aux jeunes adultes qui... Il y en a un visiblement qui avait presque un cornet de flûte en main et deux demoiselles qui avaient leur cornet à glace. La belle vie. C'est beau à voir. Si Jean... Je suis sûr que j'ai vécu des trucs là-bas et je me souviens plus. Je revois le village de Sijan. Vacances. Je vois la guinguette. Ouais, j'avais participé à un... Mais je reviens à l'île de Léron, pardon. Je me vois entendre le chant de marin. Il y avait un concert de chant marin. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. D'ailleurs, j'avais acheté un album. Ouais, je dois avoir un album quelque part des chants marins. Il y avait une compilation là, c'était sympa. Beaucoup d'humour dans l'écriture, les marins. Bah, c'est moi que j'ai entendu tousser. Mon neveu serait réveillé. Je crois savoir qu'il a fait la fête. Ah oui! Je crois que c'est mon neveu que j'ai entendu. Je vais me permettre de faire pause et de vous mettre les clips. Je vais dire bonjour à mon neveu. Interlude, les copains. Ah bah non, il y a la musique du jeu si je reste. Bon, c'est pas grave, je vais sauvegarder. Petite pause, clip. Excusez-moi. Oui, il faut que je change de catégorie. Je vais dire bonjour à mon neveu pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est ça que j'ai entendu, en fait. Merci de votre compréhension. Hein. Attendez, comme je reçois exceptionnellement mon neveu.